tobondela. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Okombo ya Nzambe, Tata, Mwana mpe Molimo Mosantu. Bon et tendre Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants. Tata malamu ya likolo totondi obotondi. Pour cette opportunité que tu nous donnes dans ta maison. C'est ainsi qu'ensemble nous venons pour te louer, te glorifier. Car tu es bon et tu es merveilleux. C'est comme ça que nous t'implorons pour que tu puisses aussi te manifester à travers ta parole. Donne-nous tout ce que nous avons besoin pour notre édification dans ton œuvre. Nous prions pour les nôtres qui sont par-ci par-là dans des problèmes et des difficultés. Laisse que tu puisses aussi faire mieux pour qu'ils se sentent aussi qu'ils sont aussi aimés. Nous prions pour tous ceux qui sont endeuillés et qui sont dans des difficultés énormes. Nos enfants de l'école de dimanche, les jeunes ainsi que tes serviteurs. Nous pensons aussi à ceux-là qui se donnent à chanter dans ta maison. Nous prions aussi pour ceux-là qui veulent aussi joindre dans ton œuvre pour qu'ils deviennent aussi tes enfants. C'est comme ça que tu puisses aussi mettre ta main partout où c'est possible. Nous prions pour les pays et pour les autorités. Accorde aux autorités la sagesse qu'il faut pour que la paix y règne. Nous pensons aussi pour ton œuvre. Nous voulons que tu puisses la protéger jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous restons liés dans les trois communions de prière de notre apôtre district. L'unité des apôtres et ainsi que les prières de notre apôtre patriarche. Accepte-nous par grâce, ainsi nous t'avons demandé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Nous avons la parole qui nous est donnée par notre apôtre patriarche. Elle se trouve dans Josué chapitre 24, verset 15. Ésaïe nakata mokanda à Josué chapitre 24, verset 15. Elle dit ceci. Elobi boye. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce qui bolingi kosale la Yahweh, bopona lelo ce qui bolingi kosale la nani, ezala banzambe oyo bakoko nabino bazalaki kosambela na ngambo ya ebale Ufrate, ezala banzambe ya ba Amorit epai bokomi kofanda, kasi ngai na libota na ngai. Jusque là, vous pouvez vous asseoir et la chorale pourra chanter un cantique. Oh.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il est important que nous puissions faire un rappel lors de la création. Lors de la création, Dieu a placé l'homme à la place qu'il faut. Il lui a donné toutes les capacités pour que ce dernier puisse maîtriser toutes les choses d'ici-bas. Mais s'agissant de sa volonté, l'homme est incapable de comprendre ce que Dieu veut et ce qui est néfaste pour son avenir. Et ici l'avenir que je suis en train de dire, l'avenir éternel. C'est comme ça que Adam et Ève étaient très bien au jardin d'Éden. Ils faisaient tout parce qu'ils avaient le pouvoir sur toutes les créations. Mais alors, pour la volonté divine, ils tâtonnaient et ils n'ont pas pu faire ce que Dieu voudrait. C'est ce qui a fait que Adam et Ève puissent aussi accepter le malin qui est venu leur proposer ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et l'unité qui était entre eux et Dieu et l'engagement là était interrompu. Il y a eu des difficultés et la mort a aussi intervenu. C'est comme ça que nous voulons rappeler que la parole d'aujourd'hui provient du pèlerinage du peuple d'Israël en provenance de l'Égypte. Et outi na botamboli ya bana Israël ko uta na bango na mboka Égypte. Dieu leur avait promis qu'ils vont accéder à un terre là où ils vont vivre en paix. Mais après un long pèlerinage dans le désert, et après avoir traversé le mer Rouge, Dieu avait accompli sa promesse pour que ce peuple puisse habiter la terre des Amoréens. Et de là, ils étaient en paix et ils se réjouissaient. Pendant qu'ils se réjouissaient là, leur conducteur qui était Josué, il était déjà avancé en âge. Il avait aux environs 110 ans. Un jour, il va convoquer les Israélites auprès de lui. Et pour leur dire qu'il va bientôt les quitter, promesse d'adieu. Et alors, en second lieu, pour leur exiger qu'ils puissent aussi servir le Dieu Tout-Puissant. Qui est en vie, qui n'est pas mort. C'est de là qu'il a fait allusion au Dieu que leur père servait quand ils étaient encore en Égypte. Comparativement à ceux-là au Dieu qu'ils ont trouvé dans le pays des Amoréens.
Il leur a poussé de choisir. Si ils vont choisir les dieux vivants, les tout-puissants qui a créé la terre et le ciel, ou alors ils vont servir les dieux que leur père servait en Égypte. Ou encore les dieux des Amoréens. Et comprenez qu'il avait déjà l'âge avancé, mais lui tenait bon jusqu'à sa mort. Maintenant, qu'est-ce que le peuple avait fait? Le peuple n'a pas à tout moment respecté ce qu'on leur dit. On disait ici que Adam et Ève n'ont pas respecté les préceptes de notre Père Céleste. C'est comme ça que le danger est arrivé aux êtres humains. Il y avait aussi des mêmes pour ces peuples-là d'Israël. Ces peuples-là n'avaient pas fait grand-chose pour respecter ce qu'on leur disait. Pensons un peu devant la colline où Moïse est allé prendre les commandements divins. Ces mêmes peuples-là s'est fait un veau d'or. Pour l'adorer et offrir les offrandes. Et demander aussi de l'aide selon les besoins. Et cela n'a pas plu à notre Père Céleste, qui est le Dieu vivant. Mais maintenant, le Dieu vivant, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a choisi Moïse pour lui dire. Dans le chapitre 3 de l'Exode, il a choisi Moïse pour lui dire, le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint, ôte les souliers de tes pieds. Et au verset 14, il va dire, je suis celui qui est. Na verset 14 alobi nazali oyo azali. Il lui a demandé d'aller dire au peuple d'Israël. Bongo asengaki na ye akende koloba bongo epai ekolo ya Israël. Et quand il est allé dire au peuple d'Israël, le même Dieu vivant là va choisir aussi le peuple d'Israël là. Bongo tangu yakende koyebisa bango, bongo yemoko nzambe aponaki kati na ekolo wana ya bana Israël. Pour leur dire que vous devenez maintenant mon royaume, là où je vais me manifester. Pona koyebisa bango te bokomi mboka ya bonzambe na ngai, bongo na komila kisakati na bino. Et Dieu là n'est plus un Dieu qu'on doit le comparer à d'autres personnes. Il n'y a pas d'alternative de les choisir avec une autre personne ou un autre Dieu. Et le même Dieu là se manifeste jusqu'aujourd'hui à travers son Fils. Il s'est incarné à notre Seigneur Jésus-Christ. Qui va dire que je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Le chemin, la vérité et la vie, ce sont les trois points intransigeants. Et le Seigneur Jésus-Christ, là, il s'est fait choisir aussi son peuple.
Il va dire que ce n'est pas moi qui vous, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est ça le peuple de Dieu du Nouveau Testament. À travers notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui croient en lui vont bénéficier la vie éternelle. Or, cette vie éternelle-là est prêchée par ses apôtres. Ces apôtres qui sont en train de dire aux êtres humains qu'il n'y a pas du salut à une tierce personne, si ce n'est qu'au Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans Actes 4, verset 12. Et les apôtres sont en train d'exciter les gens pour qu'ils tiennent à cette voie pour leur salut. Souvenons-nous lorsque l'apôtre Pierre était devant les Sanhédrin. On lui a interdit de ne pas prêcher la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais alors, sa réponse était ferme pour leur dire: nous ne pouvons pas plaire aux hommes qu'à Dieu. Et dans Actes 17, verset 22 jusqu'à 31, là aussi, l'apôtre Paul se trouvait aussi à l'antenne. Là où il avait un pays qu'on appelle Antenne. Et de là, il a observé ces gens-là, leur prédication et leur pratique. Et ce n'était pas compatible à l'enseignement de Jésus. C'est comme ça que l'apôtre Paul leur avait rappelé. Leur avait rappelé que ce que vous faites, vous priez les dieux que vous ne connaissez pas. Mais moi, je vous enseigne le Dieu Tout-Puissant qui est en vie, qui a envoyé son Fils. Et son Fils va terminer tout ça au jour de son retour. C'est un attachement que les apôtres font aux êtres humains pour qu'ils puissent se choisir le vrai Dieu au lieu de choisir les dieux qu'ils ne connaissent pas. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi le peuple d'Israël qui était nul par rapport aux autres. Et ceux qui étaient là, qui étaient compétents, qui étaient capables, n'ont pas pu devant ce peuple-là. Aujourd'hui aussi, Dieu est en train, à travers son Fils et son œuvre de salut, il est en train de choisir les êtres humains pour leur dire: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce n'est pas par notre force ou par notre compétence que nous sommes devenus race élue.
ezali na makasi na biso te to pe na makoki na biso te to komi ekolo oyo eponami. Mais c'est parce que Dieu nous a choisi avant la fondation du monde. Ezali po nzambe ye moko aponaki biso ya mbote akela mokili. Il nous a choisi et il a accompli cette élection là quand nous avons accepté la parole vivante. Aponaki biso pe akokisaki maponomi wana tango biso to ndimaki loba oyo bomoi. Et maintenant, nous sommes appelés pour annoncer les merveilles de Dieu à partir d'aujourd'hui jusqu'au millénaire de paix. Yango to biangami poto tato la bolamu ya nzambe utalelo kino na mbula koto ya kimia. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, ezali kaka poso toza malamu te, mais c'est parce que Dieu veut que veut nous donner ce qu'il a préparé pour nous. Et aujourd'hui, si nous acceptons le Tout-Puissant là, le Dieu vivant, c'est pour que nous ne puissions pas tirer du profit. Mais c'est parce que nous l'aimons et nous le servons par amour. L'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Étant des pécheurs, il nous a choisis pour nous parfaire afin que les jours de son Fils nous puissions triompher. Que ceci reste gravé dans nos âmes jusqu'au retour de notre Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés avec notre apôtre Charles Ntumba. Que la chorale apprête un cantique et il pourra nous servir. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami Katinankolo, chers frères et sœurs en Christ, Balingami Mibalipe Basi Katina Christo, nous venons d'être édifiés par la parole de ce jour. Et le Saint-Esprit a agi de manière efficace à travers notre apôtre. Nous avons compris que la vie a commencé depuis l'Ancien Testament et jusqu'au Nouveau Testament et ça se poursuit. Notre relation avec Dieu consiste à ce que nous puissions faire sa volonté. C'est ainsi qu'on nous a parlé de la décision qu'un des serviteurs avait prise. Cela concernait Josué. Josué est celui qui a amené le peuple d'Israël pendant leur pèlerinage vers la patrie ou vers la ville de Canaan. Josué est celui qui a amené le peuple d'Israël qui n'a pas été le cas. Mais il provenait
Ils provenaient d'Égypte où ils étaient prisonniers. Et Dieu n'a pas voulu à ce qu'ils puissent continuer à être, à demeurer là-bas, vivre là-bas comme des prisonniers. Raison pour laquelle, en commençant par Moïse jusqu'à Josué, les enfants de Dieu ont tiré profit de se retrouver dans leur patrie. Yango wana uta Mose ko kitana na Josué bana ya Israël bazwa ki litomba ya ko koma na mboka elaka. Et il fallait de préalable. Moi makambo esengela ki yambo bango ba sala. Le préalable consistait à faire la volonté de Dieu. Makambo esengi bango ba sala ezali ko kokisa ko linga ya Nzambe. C'est ainsi que les lois reçues par Moïse de la montagne étaient des mises pour les enfants d'Israël. Yangwana mibeko oyo Mose azwaki likolo ya ngomba etiamaki pona bana Israël batosa yango. Marcher en dehors de ces lois, kotambola na kotosa mibeko wana te, préjudicier l'entente entre Dieu et son peuple. Ezalai ko bebisa boyokani ya Nzambe na ekolo na ye. Et nous avons tous entendu aussi que après Dieu, Jésus a été envoyé par lui pour faire le même travail. Son problème, c'était de pouvoir sauver le peuple qui était maîtris, prisonnier par le péché, afin de les amener à la patrie céleste. Mosala oyeye asengele kia kokisa kozwa ekolo oyo enyokomaki na kati na masumu kozwa bango pe komema bango na bomoi ya seko. Et là il y avait aussi des préalables. Kuna pe mwa makambo esengamaki na bango kosala. Il a fallu que Jésus puisse se sacrifier sur la croix afin que cela soit possible. Esengaki te Yesu amikaba na ekulusu po yango ekokisama. Ainsi, le Seigneur a pu ouvrir la voie de salut à tout celui qui pouvait croire en Dieu et croire en Jésus. Ndena bongo kolo abongisaki nzela ya lobiko po moto nyonso azali kondima ye azwa bomo ya seko. On ne va pas aller à Cana comme dans l'Ancien Testament. Biso to kokende na Cana na te lokola na boyokani ya kala, mais on va aller à la patrie céleste, Jérusalem sainte. Bisoto kokende na mboka ya likolo, Jérusalem est sainte. C'est où? Ezali wapi? C'est auprès de notre Père céleste. Ezali pene pene ya tata na biso ya likolo. Là où Jésus se retrouve aujourd'hui en train de préparer des places. Esika wapi Yesu azwami lelo azali kobongisa bisika. N'entreront là-bas que ceux qui seront vainqueurs. C'est pourquoi l'Esprit a parlé à travers l'apôtre pour que nous puissions nous mettre au travail. Tel que Moïse avait enlevé ses souliers, tel que Christ s'était sacrifié, l'apostolat qu'il a créé, son église qu'il a créée, demeure pour nous un lieu où nous pouvons nous épanouir convenablement. Mosala ki bontoma onzela ya eklesia oyo abongisaki ekoma esika oyo bokoli na biso esengeli ekokisama. Nous devons nous aussi suivre son exemple, son modèle, pour que ce jour-là nous puissions accéder au salut et le rencontrer là où il est auprès de Père. Esengeli na biso kolanda ndakisa na ye po mokolo yango biso to kutana na ye epai wapi ya zomi pene pene ya tata. C'est pourquoi nous comprendrons que l'Ancien Testament, on peut définir l'Ancien Testament comme la loi et les prophètes. Yango tokokiko sosola boyokani ya kala lokola mibeko na basakoli. Tandis que le Nouveau Testament, on peut aussi appeler, définir cette période comme étant la période de la grâce où Jésus et les apôtres se sont mis à l'œuvre. Bongo boyokani ya sika tokokipeko sosola ngo lokola eleko ya Yesu. Si nous nous laissons féconder par la parole que Jésus a laissée aux apôtres, ce qui et
nous serons comptés parmi ceux qui vont être enlevés dans les cieux au retour du Fils de l'homme. Toko tangama na molongo ya baye oyo bakomema na likolo mokolo ya bozongi ya Christo. Que l'Éternel nous bénisse davantage. Nkolo apambola biso lisusu. Amen. Amen. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, balingami bande komibali pe basi kati na nkolo, notre apôtre nous a servi ici à l'hôtel du Seigneur. Ntoma na biso asalisi biso awa na mesa ya nkolo. Il a bien expliqué les deux périodes. Ah, ce sont les six malamu bileko nyonso mibale. L'Ancien Testament est marqué par la loi et les prophètes. Boyokani akala emonisami na nzela ya mibeko na basakoli. Et le Nouveau Testament est marqué par le Seigneur Jésus-Christ et sa grâce. Boyokani ya sika emonisami na nzela ya Jésus-Christ na ngolu na ye. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé sa grâce ici sur terre. Il va dire avant son enlèvement aux apôtres dans Jean, celui à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Celui à qui vous allez retenir, ils leur seront retenus. Ils leur avaient légué le pouvoir d'aller prêcher la bonne nouvelle en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Apesaki bango etinda ya koteya sango malamu uta na mboka Yerusalem kino na bisika ya suka ya mokili. Et il leur avait dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ebisaki bango na kozala na bino kino mokili ekokoma na suka. Voilà la grâce que le Seigneur avait laissée à ses envoyés. Tala ngolu oyo nkolo atikaki na batinda mina ye. Qui sont en train de dire au peuple d'Isiba: nous vous en supplions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Cela pour exciter l'élection divine que l'Éternel avait fait à nous tous. Yango pona kotindika boponomi ya bonzambe oyo asalaki kati na biso. Pour que quand vous allez la saisir et vous la gardez pour triompher le jour du Seigneur. Aujourd'hui, on ne demande pas de choisir entre les dieux vivants et les dieux des Amoréens ou les dieux qui se trouvaient en Égypte. Le lobe a dit que c'est un habitude pour nous. Kati na nzambe ya bomoi, nzambe ya bomoréen, to pe nzambe o azalaki na Egypte. Mais on nous dit plutôt, bayebisi biso, l'Éternel est là à travers ses envoyés. Nzambe ya seko azali wana onzela ya batinda mina ye. Et celui qui tient cette grâce là aura satisfaction les jours du Seigneur. Baye o bako simba ngolu wana nde bako longa mokolo ya nkolo. Que cela reste éternellement dans nos âmes. Jusqu'au retour de Jésus, le prince de la paix. Amen. Amen. À présent, nous demandons à la chorale de chanter un cantique de repentance. Oh,
À présent, nous demandons à l'assistance de s'élever pour la prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Si quand vous allez consigner en avant, surtout tellement pour nous l'ensemble, oh, on colloie sous à la kisa kibiso. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix du ressuscité soit et reste avec vous tous. Amen. Amen. Père d'amour, Père de bonté, Tata Yabolingo, Tata Malamu, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous donnes dans ta maison. Personne d'autre ne peut le faire ne peut le faire pour nous ici sur terre. Si ce n'est que toi à travers ton fils Jésus. Qui s'est sacrifié pour l'humanité. Maintenant, nous prenons la décision de ne plus reculer en arrière et tomber dans le péché. Père, aide-nous pour que cela soit possible. Ainsi, nous t'avons demandé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, Amen. Amen. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne cesserons de te dire merci pour ta grâce et ton amour envers nous. C'est ainsi que nous étions venus casser et nous rentrons édifiés. Et maintenant, Père, nous avons pris beaucoup de choses qui vont nous aider à l'avenir. Pour que nous ne puissions plus transgresser tes lois et ta grâce. C'est comme ça que nous prions pour tous les nôtres qui n'ont pas eu le temps de se joindre à nous, Père. Laisse que tu puisses pourvoir le temps et ta grâce sur eux. Nous prions pour les malades, ceux qui sont en voyage, ceux qui sont dans des problèmes qui ne peuvent plus s'en sortir. Laisse que tu puisses les épauler et les servir. Maintenant, Père, nous prions pour les pays. Nous prions pour tous ceux-là qui sont de loin et que tu appelleras aussi. Dans ton œuvre, accepte-nous. Ainsi, nous t'avons demandé, dans l'étroite communion de prière de notre apôtre de district, l'unité des apôtres et les prières de notre apôtre patriarche. Nous t'avons ainsi demandé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sans toutefois oublier nos offrandes que nous avons apportées. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit et reste avec vous tous. Amen. Amen.
À présent, nous demandons les cantiques finales pour clôturer le service divin. Sika tozali kosenga nzembo ya suka pona kosukisa losambo na biso. Pona bofongoli bandako na biso ya Nzambe août 2020 bande komi bali pe basi tozali kotonda tata na biso ya likolo oyo akambaki misuke na biso na basanza oyo uti koleka tozali baye basepelaki na liloba na ye tozwaki na nzela ya bililingi tango tofandaki na bandako na biso kasi eloko moko te ekoki kozwa esika ya bokoti na losambo posa na biso ezali ya kokota na lisanga na biso pona kozwa molei mosantu esika moko kasi eloko moko te ekoki kozwa esika ya bokoti na losambo posa na biso ezali ya kokota na lisanga na biso pona kozwa molei mosantu esika oyo epesameli biso nzela pe komona lisusu bomoko ya monene ya na nkolo na biso pe elongo na bandeko mibali pe basi soki kokoso mosusu ekomeli biso te balosambo ya eyenga ekobanda na mokolo ya eyenga ya 16 août 2020. Tolingi komibongisa mpo na bozongi na masanga na biso, pe kokabola na bino mwa mikano ya tina monene mpo na kobatela moko na moko. Bosimba malamu mikano oyo elandi. Bokende na balosambo te soki bozali na bilembo ya bokono. To soki bozali na kati ya bato oyo bazali na likama ya kozwa bokono po bazali kobela to po na mbula na bango ya mbotama esi epusani balosambo ya eyenga na nzela ya bililingi ekokoba kosalema pe ezali lisalisi mingi po na ba oyo bazali kobela po na ba oyo bazali na likama ya kozwa bokono pe na ba oyo bakokoka kokota bango moko na losambo na tango wana te. Na kolanda mikano ya bakonzi ya leta, tozali kotosa mibeko ya kozala mosika boko na basusu 1.5 meters. Uta bokomi na biso na ndako ya Nzambe, tango tofandi pe tango tozali kobima na ndako ya Nzambe. Bandimi ya libota moko, bapesemeli nzela ya kotambola pe kofanda elongo. Epekisami pona kosangana na bisika ya bato nyonso. Ndakisa liboso ya ndako ya Nzambe, to liboso ya mesa ya bonzenga, ezala liboso to sima ya losambo. Bilamba ya kokanga na zolo, pe monoko esengeli kolatama na moto nyonso. Kolongola kaka bana mikie baye bakokisi nanu mbula mibalete. Tosengi ete moko na moko aya na gel na ye moko ya kopakola na maboko pe elamba na ye ya zolo na monoko na ndako ya Nzambe. Na kolanda mikano ya bisika na bisika, elamba ya zolo na monoko ekolatama na tango ya losambo, na tango ya libondeli ya tata na biso, ya bozumolei mosantu, to na tango nyonso ya botamboli, na kati ya ndako ya Nzambe. Koyemba epesameli nzela te. Lindanda moko to moyembise moko bakokokisa mosala wana. Lokola tosengeli kotelema mosika boko na mosusu, motango ya bato na kati ya ndako ya Nzambe esengeli ekita. Na botali motango ya baoyo bakoti na kati. Esengeli penza koyebisa posa na bino ya kokota bino moko na losambo epai ya mokambi ya lisanga na bino to epai ya nganga Nzambe ya quartier na bino pona kosalisa bango babongisa malamu.
Bandeko oyo bapesameli mosala ya kobongisa bakoyamba bino bolanda mikano na bango pamba te bazali kokokisa mosala moko ya tina pe bakosalisa bino mpona kotosa mikano yango. Balingami baboti, bosengeli kozala na bana na bino tango nyonso mpona kotala soki bafandi malamu, soki bazali kotosa mikano mpona kobatelami malamu ya moko na moko. Malamu bokoma mwa liboso ya ngonga na losambo mpona kozwa makoki ya kobondela na se ya motema liboso ete losambo ebanda. Bomesana na lokasa oyo ezali kolakisa malamu mikano ya kolanda. Tosangana na libondeli mpona bozongi bolamu pe ya kimia na kati na lisanga na biso. Wabino Michel Depner, apôtre des districts.